On trouve, en gros, pour schématiser, hein, dans les grandes capitales européennes, deux types de juifs. Les premiers sont ceux que l'on appelle Ashkenaz, c'est-à-dire les juifs des pays européens occidentaux ou d'Europe orientale, qui, eux, en général, n'ont aucun droit. Les Juifs disposent d'un espace d'autonomie relative à l'intérieur duquel ils peuvent faire régner ce qui compte le plus pour eux, à savoir quelque chose comme un ordre juridique fondé sur les textes de la tradition, les textes talmudiques principalement, qui eux-mêmes revendiquent le fait d'être une interprétation des textes bibliques. Un espace d'autonomie dans lequel règne donc quelque chose comme un ordre social, juridique, lié à la tradition juive, tout en étant subordonné, c'est toute la complexité de la construction de la période qui précède les émancipations, tout en étant subordonné aux lois générales des États. Alors ça, c'est un vieil élément de la tradition politique de ce judaïsme de l'exil. Ce qu'on appelle en araméen le principe de Dina de Malchuta, de reconnaissance de la primauté de la loi de l'État sur le système juridique autonome propre à la tradition juive. À part les prohibitions du premier degré, quelles que soient les lois édictées dans les États où les Juifs se trouvent, ils doivent les suivre et les respecter. Ça, c'est le principe de base du fonctionnement des Juifs en diaspora depuis que la diaspora existe. Cet élément de reconnaissance de la subordination de la loi juive sur la loi de l'État est fondamental, il est fondateur. On trouve en même temps dans certaines grandes capitales européennes des juifs qui, eux, sont arrivés dans ces capitales européennes en tant que chrétiens, ce qu'on appelait les nouveaux chrétiens, qui étaient des juifs qui avaient été expulsés d'Espagne et du Portugal, qui avaient donc été convertis et qui avaient obtenu des droits que leurs coreligionnaires n'avaient pas. C'était deux types de communautés ou de regroupements juifs qui ne se fréquentaient pas, ou le moins possible, qui s'évitaient, qui ne parlaient pas les mêmes langues, qui n'avaient pas la même culture, ni les mêmes rituels, et qui vivaient dans des conditions extrêmement différentes les uns des autres. Tout ce qui n'est pas juif ashkénaze, globalement en France, c'est vu comme juif séfarade. Or, c'est pas le cas. Puisque les Juifs séfarades, étymologiquement, ce sont les descendants de ceux qui ont été expulsés d'Espagne à la fin du XVe siècle. Donc ça délimite une population et une tradition assez différentes, c'est-à-dire que tous les Juifs du Maghreb ne sont pas des Juifs séfarades, et puis des communautés séfarades, finalement, il y en a beaucoup aussi en Europe continentale. Il y a une communauté du sud-ouest français et des communautés provençales, petites qui proviennent de cette émigration venant d'Espagne au XVe et XVIe siècle. Et puis il y en a qui sont allés plus loin, donc il y en a beaucoup il y en a qui sont en Hollande, hein, dans les Pays-Bas, à Amsterdam c'est bien connu, en Grande-Bretagne, les petites locales, à partir du moment où ils ont pu être admis dans le pays. Alors il faut savoir qu'ils avaient été exclus de Grande-Bretagne, enfin d'Angleterre en tout cas, au XIIIe siècle. Ils sont réadmis sous Cromwell en 1656. On ne peut pas parler d'une unicité du judaïsme séfarade non plus, parce que le judaïsme séfarade du Maroc, par exemple, n'est pas celui d'Amsterdam. Assez logiquement, parce que les communautés dites portugaises d'Amsterdam ou de Londres ou d'Hambourg ont évolué d'une manière très différente des communautés séfarades d'Afrique du Nord ou de Turquie qui se sont assimilées aussi aux populations locales. Les nouveaux chrétiens sont des individus comme les autres qui ont ce que l'on appelle des lettres patentes, donc dans toutes les grandes capitales, qui ont été données par les seigneurs et les rois locaux et qui peuvent exercer les métiers qu'ils veulent. Vivre comme bon leur semble et pour lesquels l'autorité de la communauté n'est pas incontournable. Si on prend par exemple les cas les plus connus, prenons Spinoza par exemple. Spinoza avait des gros problèmes avec sa communauté puisque, comme vous le savez, ils ont fini par se dire que sa conduite était absolument intolérable et par l'excommunier. Ben, ça ne l'a pas empêché de vivre ailleurs, en dehors de la communauté. C'est une situation qui est impensable pour un juif ashkénaze.